Et re les gens. Allez, c'est parti, on enchaîne avec la seconde partie de cet épisode. Let's go. Ok, donc nous pleurons Dazigi. Dazigi, pour l'instant, nous allons le mettre au frigo. Alors, Dazigi était un spécialiste cac. Alors, on va pas le toucher pour l'instant. On libère tout ça. Alors, on va rééquilibrer donc toutes nos recherches. Normalement, donc c'était Dazigi qui s'occupait au niveau des recherches sombres. Katniss, tu t'occupais donc des recherches classiques. Personne ne peut t'aider parce qu'en gros, tout le monde avait déjà un taf. Il n'y avait que Kargan qui venait récemment de rentrer. Et Kargan n'est pas bon à la recherche. Donc écoute, tu vas faire les deux au niveau des recherches. The best. On va essayer de maintenir au mieux Dazigi dans son état. Et on verra si on a la chance d'avoir un kit de résurrection qui arrive. Même si, à mon avis, c'est compliqué. Ouais, tout à fait, CG. Si jamais j'arrive à en avoir un, mais on a vu que c'était quand même extrêmement rare. Et on a les parasites. Oui, bien sûr qu'on a les parasites. Ça, j'ai pas oublié ça. Pas d'autres chairs sur la map. Non, à part la chair humaine, pas d'autres chairs. Est-ce qu'on a du jade? Non, on n'a pas beaucoup de jade. On en a que 10. Ok, donc on va refaire la table vite. C'est toi notre spécialiste architecte sur cette game, Sidig. Il fait le taf. Hein. Alors, lui. On a dit que c'était bon au niveau de la volonté. Ok, donc maintenant on va pouvoir convertir. Lui, on peut le sacrifier ou pas? Exécution publique. Pas encore. Dès qu'il est up, on le sacrifie. Une batterie de pété. Ouais. Alors, on va éviter de le faire traîner comme ça, le sarcophage. Le feu à détruire, effectivement. Quoique... Quoique, on va le laisser. Ah, Katniss, la joie de vivre. On a dit que c'était le bleu qui avait remporté, d'ailleurs, je suis en train de penser, là. Le bleu, le bleu, le bleu. Alors, quel style de bleu on va prendre? Un bleu classique ou alors un bleu un peu plus subtil? Bleu marine? Ah, bleu marine, c'est sympa. J'aime bien bleu marine. Allez, c'est parti pour du bleu marine. Les modos un vote, quel bleu. Non, non, non. On va s'arrêter là. Je pense que ça ira très bien. J'ai ça, ça, ça. Là, ici, il faut que je fasse la recherche du sol antibactérien. Un couloir ici. Couloir là.
Ok. Alors, Dazighi avait un rôle très important au niveau social. Je rappelle que c'était aussi notre seconde personne au niveau de notre idéologie. C'était notre guide spirituel, notre fidèle de Joe. Donc là, on a un problème. On a un problème dans le sens où ça fera line. Donc, ok, très bien. C'est notre, notre chef, notre templier de la création. Mais il nous manque quelqu'un. Donc, il nous faut quelqu'un qui est bon en social. Donc, on a Quentin. Quentin. Et ben ça sera Galgarad, je pense. Futur Galgarad. T'es juste mauvais en intellectuel, sinon t'aurais pu reprendre quasiment son taf, quoi. Et encore mauvais. T'as 5, c'est pas non plus nul, mais t'as, par contre, t'as pas d'inspiration. Maintenant, la question est, c'est... ah oui, puis en plus, je peux même pas te forcer à changer de religion plus vite, parce que bah, Dazighi n'est plus là. Dazighi n'est plus là. Rituel de conversion sans guide, oh, je suis pas sûr. Non. Non, il faut le rôle de fidèle de Joe pour ça. En plus, 57 ans, ancienne prostituée. Bravo, bravo Léa. Léa Lu. J'espère que ça va aller vite. Sinon, on est dans la sauce, là. 53, 5... Oh putain, la vache, ça va être long. Paix et amour, rejoignez-nous. Ça va être long, ça va être long. Oh putain, puis j'ai ça aussi, là, à construire, là. Ça, on est où, ça, d'ailleurs? C'est quoi? C'est des blocs de marbre qu'il faut? J'ai plus de marbre, là? Si, on a du marbre. 300 de marbre. Combien de temps on a pour cette... Canton ressent les effets du sevrage du cube. Oh, ça va me saouler, cette histoire. Alors, cette personne est fortement attirée par le cube doré. S'ils sont séparés trop longtemps, la victime ressentira des effets négatifs. Vitesse de sommeil, vitesse générale de travail. Oh là 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 là. The best. 16 heures avant de l'étudier. Aïe, 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 aïe. Tu peux temporairement mettre Quentin. Ouais. Ouais, c'est une possibilité, ça. Je pense qu'on va faire ça, même. On va faire ça parce qu'il nous en faut un, là. C'est pas le cas de tout le monde. Bon, Quentin, ton taf, c'est de faire en sorte que tu recrutes ton remplaçant. Ouais, vu comme ça vend pas du rêve, hein, je te l'accorde. Okay, c'est un peu mieux déjà. Quentin. Ouais, t'es déjà en geôlier, ouais. Non, non, mais la priorité, les gars, c'est ça, là.
C'est clair, Merek. C'est l'Arkenstone. Dur quand même. Hein. Ah, le voilà, le fameux mode. Alors, forcer le sommeil, pas de repos, et mode presque arrivé, ok. Alors, Dazigi... Allez, une cérémonie pour Dazigi. C'est un copain quand même. Je suis à mon poste, c'est pas le cas de tout le monde. Oui, non, mais je l'ai vu, mais avec le message, t'inquiète pas. Et je rappelle que je suis là pour découvrir. On découvre. Je me doutais bien que c'était pas. C'était pas sans conséquence de garder. S'il te donne l'opportunité de les détruire, c'est que, en gros, t'as pas que un malus de moins 6, quoi. T'as pas que un malus de moins 6, on est d'accord. Oui, le message qui disait ici, attention, c'est dangereux de le garder. Alors, Canton ne va pas bien, effectivement. Forcément, il est en déprime. Il est en déprime, le canton. Sevrage du cube, moins 20. Canton ne va jamais bien. Alors, j'ai beaucoup de choses en attente parce que je veux faire ça en priorité, là. J'ai quand même un deal avec l'Empire avec ça. C'était où, déjà? Alors, le prestigieux casque de Cataphract qui va servir à Saffralan, histoire d'avoir une vraie guerrière. Il ne manquera plus que le bouclier et tu seras ops. Expire dans 8 jours. On dirait pas, mais la colonie repose sur pas grand-chose, là. À peu de choses près, ça peut vite partir en live. Ça peut très vite partir en live, parce que là, tu vois, on n'a qu'une seule personne qui fait de la recherche. Que the best. J'ai bien envie de mettre une seconde personne. Le problème, c'est que Quentin peut pas être partout. Quentin, déjà, il fait de la chasse, il fait dresseur. Silig est constructeur. Alors, il y a qui double avec Silig? On a Canton, mais il n'est pas bien. Canton, il a 18 en construction. Bien. Il y a Makina. Alors, je peux peut-être faire un truc. Makina, t'es sur quoi? T'es là sur la cuisine, Makina. Bah ouais. Alors, il faut d'abord que je finisse le fort. Exactement, Galgrad.
Exactement. J'espère juste c'est qu'ils sont que deux ou trois, quoi. Pas plus. Pas plus. En plus d'Azigi, c'était notre crafter. En plus, avec notre esclave, bien sûr, mais notre esclave, ça reste un esclave. Ou alors... Quoique non, même pas. Non. D'ailleurs, t'as pu inspecter Joséphine, c'est elle qui a dû te refiler le truc. Non, je crois pas. En début de campagne, j'ai été faire la même quête que ça. Ici. Et justement, il y a eu du contact. Il y a eu du contact avec les lanceurs, là. Le prisonnier fourreur, tu préfères l'exécuter ou récupérer son cœur? Je demande pas du tout pour ça, pour mon futur colon aux artères bouchées. Ah, mais c'est vrai qu'il y a ça aussi. Bah écoute, on va récupérer le cœur. Wow, je te dis, on n'est pas amour, cœur, tout ce que tu veux. Allez, hop. The Best, on va envoyer quand même ça, Fralan, parce que The Best peut pas être partout, là. On va récupérer son cœur, immédiatement. Le rein a déjà été récupéré. Ok, ça c'est fait. J'ai déjà récupéré un rein, il est là. C'est pour qui le rein? Je m'en rappelle plus, je crois qu'on a un colon qui a besoin d'un rein. Ouais, mais il y a une autre personne qui a besoin d'un rein, je crois. C'est Nerariel. Nerariel qui a besoin d'un rein gauche. Symptômes s'aggraveront tant qu'on ne lui aura pas permis de jouer avec le cube. Putain, on fait quoi avec Canton, bordel? On l'autorise ou pas? Le problème, c'est que je partirais bien en expédition, CG, mais devant toute cette liste de noms, on a minimum 2, voire 3 personnes, minimum, 2 à 3, qui ont un parasite dans le corps et qui vont jouer contre moi. Donc si jamais je sépare pas les bons, ça va pas bien se passer. Obligé sinon catatonique. Je sais pas. Je le vois monter en plus. Hein. Fébrile, en proie à des démangeaisons. Cette personne est obsédée par son cube doré et n'a qu'une idée en tête. S'en rapprocher le plus possible. Ses symptômes s'aggraveront tant qu'on n'aura pas permis de jouer avec le cube. Oui, c'est les gars. Il y a The Best. Je l'avais fait noter. C'est Silig, Dazigi, The Best et Makina. Donc il reste Silig, The Best et Makina qui ont été blessés par les tripointes. Mais avec le temps, effectivement, il peut y avoir d'autres trucs. Bon, je vais rendre le cube à Canton. Vas-y, il va aller même l'étudier.
Ouais, il joue avec le cube, il étudie que dalle. Ok, maintenant tu l'étudies. Mon Dieu. Je joue avec le feu, quoi. La bouffe. Ça réduit et ça repousse pas là. Ah, mais The Best, t'es encore là, toi? Tu peux pas être partout, quoi. Oh là 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 là. Mon précieux. Ça fera l'un de te faire crafter, je pense. Parce que toi, c'est sur dresseur, geôlier. Tu vas passer en craft à fond, ça fera l'un. T'es à quoi? T'es à 7? T'es à 6? Allez, je vais baisser à 6, c'est pas grave. Faut que je multiplie les crafters, chercheurs et tout ça, là. Alors, Silig, la priorité, c'est ça. Comme ça, The Best ira moins loin pour nourrir The Katniss. Ok. Alors, monument construit, 15 jours. Donc ça fait le 28 avril mai. Ok. Le casque est arrivé. Alors, je te le donne. Safraline, j'espère juste que tu ne fais pas partie de la liste des contaminés. Parce que si tu fais partie de la liste des contaminés, ça va être compliqué.
pourquoi tu fais pas les expériences sur tes gars? Il faudrait que je les fasse passer par la case prison et leur faire mener à l'interrogatoire. Tu me diras, j'ai pas de chair qui traîne. Non. Médical. Alors, si j'ai bien compris ce que vous m'avez dit donc à la campagne 1.0, c'est que tant que j'ai pas de signature, ça sert à rien de faire des tests chirurgicaux. C'est ça ? Lol, Léa. Peut-être. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas du tout. Alors, une chevaleresse de l'Empire voudrait séjourner pendant 14 jours avec 5 de ses alliés à la cour. Vous devez garder son l'humeur des impériaux à 5 au-dessus de 30%. Les impériaux apprécient les agents de qualité. Vous gagnerez des niveaux de relation si vous gardez votre humeur, leur humeur élevée. Alors, là, c'est chaud. Ça fait 5 à héberger plus un chevalier. Et chevalier, j'ai pas de chambre qui pourrait aller, je pense. Ces chambres-là, je pense pas que ça suffise. Oui, le recharge du sol antibactérien. Procédure de fertilité, non, c'est pas ça. Il est où? Sol antibactérien, je l'ai déjà fait ou quoi? Repos de la mort, j'ai rien. Télévision, mec. Lits médicaux. Merde, il est où? Matériaux stériles. C'est moi ou c'est mes yeux? Bon, c'est peut-être mes yeux. Merde. Déjà fait. Ah oui, je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait, effectivement. Lits médicaux. Ok. Alors, j'ai pas de thunes. Mais j'ai suffisamment pour ça. Bon, on n'a pas d'autres extraits de chair qui arrivent. Donc, on va peut-être devoir interroger les gens. Oui, bah elle au ralenti. Pas de soucis, bonhomme. Tu peux le faire. Ah mais il avait pas pris en compte que ça c'était qu'une étape intermédiaire. Ok. Autant pour jeu alors.
Allez, un petit discours de chef. Ça fera la haine. Excusez-moi, hein, je ne connais pas encore bien vos noms. Encourageant discours de chef. Ça me gêne de devoir pousser l'interrogatoire là, parce que ça va pas être apprécié là. Si on doit passer par la case prison, je commencerai bien par la liste que je vous ai dit. C'est-à-dire en gros, ou Silig, ou The Best, ou Machina. Non, mais c'est pas sur le billard, c'est la case prison. En gros, c'est un interrogatoire qu'il faut faire. C'est un interrogatoire qu'il faut faire. Et là, c'est pas la même, quoi. C'est pas la même. Pas The Best, il y a le bébé. Non, mais il y a trop de facteurs, Léa. Il y a les noms que je t'ai dit au début, là. Donc, ça fait déjà 3. Ensuite, en gardien, on peut rajouter. Donc, The Best, c'est le même. Là, je viens de mettre Quentin. Il y a Sanfreline. Donc, déjà, ça fait une de plus, voire 2, comme Quentin maintenant s'y penche aussi. Je suis innocent. Je vais vous passer le goût du plein air, moi. Oh putain, vous me refaites ma journée, j'adore. Ça se trouve, c'était Daziggy. Tends l'oreille au-dessus du sarcophage. Ouais, tu vas entendre que ça gratte. The Best, c'est le Toubib. Si c'est lui, il va encore truquer les analyses, comme dans la 1.0. Ouais. Phrase de coupable, ça. Et on va se faire un loup-garou, les gens. Un loup-garou communautaire. Je le sens bien, ça. Là, je suis coincé, en fait. Je suis coincé parce qu'il me manque des ressources. Il me manque des ressources de recherche. En recherche, j'ai que The Best. En craft, je suis en train de... Pourquoi 7 ? Attends, elle est prête l'armure ? Non, elle est pas prête. J'ai pas mis 6 ? J'ai mis 6. Hop, hop, hop. Quoi ce bordel? L'armure de plate, ici là, armure de plate, elle a 460. J'ai mis niveau 6. Et ma chère Safranane, tu es niveau 6,82. Pourquoi tu ne le fais pas? C'est toi la coupable?
Bizarrement, depuis la mort de Dazigi, on n'a plus de chair étrange qui traîne. Ouais, il y a Among Us, mais il y en a d'autres aussi. Il faut 7 marqués à gauche. Ah putain, d'accord, ok. Rien à voir avec ça. Merci. C'est moi ou c'est mes yeux? Bon, c'est peut-être mes yeux. Merci, Safraline. C'était un morceau de peau grise, je me sens visé. Ok, donc c'est bien 7. Bon bah, dièse, vas-y. Non, ça me fait chier que ce soit toi, là. On a qui d'autre, là? On a personne d'autre, en fait. Si, on a Kergan. Si ça se trouve, c'était Swamp. Il est pas passé par la base. Ah, quoi que me diras, je te dis une bêtise, il a chargé des trucs. Oh, le coup de flip absolu, quoi. Alors, définir le propriétaire. On a dit que c'était pour les esclaves, ces chambres-là. Hop, Dietz, tu changes de chambre. Celui-là va devenir médical. Pouvoir de Quentin et hop, oui. Ok, on recrute. Ouais, j'ai vu les messages réguliers. J'ai vu. 30 degrés, il fait. Alors, la salle du rituel. Les symptômes de sevrage de caneton ont empiré. Putain.
me fatigues avec ton cube, tu me fatigues. Réservé par Canton. Mon précieux, quoi. Nouvelle recrue. Ok, welcome Galgarad. Alors, première chose à faire, changement de rôle. Let's go. Galgarad, attaque cardiaque. J'adore ce jeu. Le colon le plus court de l'histoire. Je pense pas que deux trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Ah, je vais te laisser quand même... Non ? Tu vas pas claquer pendant la cérémonie quand même. Allez. Greffer un cœur. Non, 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 là, c'est vraiment urgent, là. Croise les doigts. Yeah, baby! Voilà. Tu es sauvé. Et heureusement que tu m'as suggéré de récupérer le cœur sur la boule de poil. Parce que sinon, tu ne serais plus de ce monde. On notera que le jeu était super sympa. Hein. Il a attendu qu'on recrute le colon avant de lui faire péter une crise cardiaque. Ça, c'est vraiment très très fort. Ça. Alors. De la thune. C'est du psychoïde hein, qu'il lui faut. C'est con, ici, ils vendent du gojus. C'est vraiment ballot. Par contre, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Principe des psychoïdes. Ok. Téléportation disparate de masse. Transmettre des connaissances d'une capacité spécifique se transmutant au système neuronal. Pas mal. Ok. Mot de confiance. Bien ça. Ouais, c'est recherche Pekoé. Non, mais du thé, il en a pas. Hein. Il a pas de drogue Tekoé, de Pekoé, là. Il vend du gojus, mais il vend pas ça, quoi. C'est ballot. Ils ont toujours des épées plasmiques ici, en tout cas. Ah, merde. Moins 333. J'ai pas la thune.
J'ai pas la thune. Il va prendre plutôt ça. La capsule Arcot, ça pourrait prendre le pouvoir à Joséphine. Non. Remerek. Non, 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 on n'est pas parti sur la génétique, là. Ok. Allez, reviens. Non, pardon. Reviens ici. Reviens là. Eh B. Tu veux pas faire une étape, c'est ça que tu veux pas? Ok, bah tu le feras en deux fois, pas de soucis. C'est bon, il est sauvé, il est sauvé. Bien entendu, mon symbole fait 3 et le 30 c'est 4. Super. Allez, The Best, dis-moi comment le péter ce cube là, que ça traîne pas là. Ok, température de 20 degrés, ouais, je maintiens. Ok, alors, Galgarad, welcome. Alors, Nounou, Joliet, cuisine, si je te mets cuisine, Makina, j'ai du temps, et Makina, je vais pouvoir le mettre après sur quoi? Sur la construction. Si je le mets sur la construction, je vais pouvoir libérer Silig. Et Silig, je vais te mettre à la recherche. On fait un changement de principe. Tu restes à 18 en construction, ce qui est très bon. Mais on fait un petit switch comme ça. Faut que je rééquilibre un petit peu... psy, ouais. Il faut que je rééquilibre un petit peu mes tâches. Pour être certain que si jamais ça part en live, que ça parte pas trop en live. Il n'y a pas un canapé de psy où j'ai pas fait la recherche. Je sais plus s'il faut faire une recherche pour le psy-thérapie. Ouais, je l'ai. Bah juste après, vous me faites penser que je fais la recherche-thérapie.
Ok, parfait. Safraline, tu peux le faire. Là, en fait, il faut que je compense. J'ai réussi à compenser donc la cuisine grâce à Galgarat qui vient d'arriver. Donc ça, c'est cool. Sociabilité, c'est parfait. Animaux, ça viendra. Le minage, non, parce que tu vas rester. Par contre, Dazigi, il était quoi? Il était fusil à pompe. Hein. Non, il était épée. Là, j'ai combien de corps à corps? J'ai 1, 2, 3 corps à corps. Alors, tu vas venir prendre le fusil à pompe. Kiergan, tu vas venir équiper l'épée longue. Ouais, c'est très précaire quand même. Ouais, il fera comme tout le monde, il s'entraînera. Il fera comme tout le monde, il s'entraînera. Silig, si tu tiens avec The Best là, on va faire de vous des badass là. Parce que t'es fort en minage, t'es très fort en construction, t'es fort en tir. Artisanat, t'en as sous le pied. Et intellectuel, tu vas monter. Mais au moins, je rééquilibre un peu plus les forces là. Je rééquilibre un peu plus les forces. Si l'entraînement, je l'ai ici, là. Training. Training, ils sont ici. Mais pour l'instant, c'est pas... C'est pas le pire. Obsession de 4 temps pour le cube l'a plongé dans un état d'hébétement. Il va construire une sculpture pour soulager son esprit. Ah là 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 là. Aïe, 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 aïe. J'adore. Ok, sculpture de cube en ferraille, c'est une merveille, c'est nickel, je peux pas le démolir. Cette création représente un cube stylisé derrière la silhouette principale. Des pirates sont en train de prendre en amitié. C'est nickel, c'est joli. Ouais. Machina, pareil. Ça va faire un personnage badass. Ça vaut combien, ça? 45. Ça vaut que dalle. C'est formidable. Ouais, on va les mettre dans sa chambre. Avec un peu de chance, ça va peut-être calmer son addiction. J'y crois pas trop, mais admettons. C'est du métal, ça se fond. On sait pas trop en fait, hein. Et je sais pas d'où il sort le métal. Une chambre pour Galgarad. Ouais, il y a celle de Dazigi. Qui est là. Galgarad. Frénésie de tir pour Silig. J'ai pas une... On n'a pas de quête. Hein. Non, il me semble pas. Non. L'obsession de Kento pour le cube s'est intensifiée. Formidable.
Putain, qu'est-ce qui va arriver quand il arrive à 100%? Ça va partir en live. Ça va partir en live, cette histoire. On l'endort. Ouais, j'hésite. Tiens, t'as fait un pixel de la sainte grenade dans la salle rouge. Exactement, Jekyll. Ta future chambre pour ta future colonie ici. Ah oui, si, je voulais faire un truc pour brûler les corps là. Un four crématoire. Alors, j'ai plus de métal. Swap, c'est encore arrêté. Ouais, parce qu'en fait, on le fait en deux fois. Alors, au niveau des ressources, qu'est-ce qu'il me reste? Pas grand-chose. 15 de métal. Je dois plus avoir beaucoup de composants, je crois. J'en ai plus que 2. Ok, alors on va taper ça. Non, pas forcément Galileo Red. On en avait besoin pour... On en avait besoin pour Dazigi pour la simple bonne raison que lui, il était... Il avait besoin pour ses capacités psychiques de l'Empire. Mais là, on n'en a pas besoin. Kergan, par contre, toi, t'es censé être fort en agriculture. Alors, pourquoi tu plantes pas? Je t'avais mis que fermier. Ok. Que forestier, pardon. Lits médicaux, thérapie. Est-ce que je suis déséquilibré en termes de chasseur? Alors, chasseur, on a Quentin, on est d'accord. Et Makina, techniquement. Makina, tu as combien en animaux? Pas assez. Pas assez, pas assez. Ok. Alors, on n'a pas de prédateur sur la carte, ça c'est cool. Nous allons pouvoir chasser. On va pouvoir chasser du cochon. Du cheval aussi. Allez hop. C'est open bar. Les heures de loisirs. J'ai 600 animaux, je veux bien chasser pour m'entraîner. Mais juste les herbivores. Et à côté de la base. T'as pas l'arme qui va bien, Galgrad. Au pire, je peux te mettre un petit peu en dressage. Mais je vais pas trop te faire sortir. Je vais te mettre en dresseur pour faire monter ça. D'ailleurs, Safraline, tu as combien? Tu as 7. C'est pas encore 8. 8, ça m'arrangerait. Bientôt. Ça, tu pourras avoir des nounours pour toi. Les animaux, c'est surtout pour ceux qui sont ou chasseurs, donc en gros de loin, donc je dirais Quentin et Makina dans l'idéal. Et surtout, après, c'est les corps à corps. Les corps à corps, donc Nerariel, il va falloir que tu t'entraînes sur les animaux. Kergan, pas besoin, c'est déjà le cas. D'ailleurs, oh, on a un baby grizzly qui vient d'arriver. C'est très bon, ça. D'ailleurs, on va mettre à Kergan.
Est-ce qu'on a du monde en liste d'attente pour les bébés grizzly? Pour les nanimaux? Ce serait bien que j'ai une autre femelle. Oui, c'est une femelle. Parfait. Les nounours sont 4 maintenant. Ils sont 5. J'adore les peluches. Allez, c'est pour qui celui-là? S'il vous plaît, la modération. Rudy, il est déjà là. C'est que ça n'a pas été retiré. Shido, merci. Ça n'a pas été mis à jour. Parce que Rudy est juste là. On a Itachi, Rudy, Shido, Vares, Leored. Vendeur de produits exotiques. Kergan, je veux que tu travailles maintenant en priorité sur la ferme. Clairement. Et les animaux. Histoire de bien comprendre. Non, pas ça. Même la bouffe, tu vas monter. Et pour bien comprendre, Kergan, tu vas rester à l'intérieur. Là, faut planter les champs là parce que on a un trou de production là. Alors c'est très étrange hein, que j'ai pas de. Après c'est que ma deuxième partie sur Anomalie. Hein. Mais c'est vrai qu'on a plus du tout de morceaux de chair. Alors si ça se trouve, c'était Dazigi. Et ça se trouve, il n'y avait que lui. C'est possible. C'est possible. Ils sont où les vendeurs? Ah, c'est un vaisseau commercial. Oh, tu fais bien d'y penser parce que j'y pensais plus que j'avais ça. Galgarad. Alors, j'ai le mode qui permet de... Oh putain, non. Attends, j'ai un... Si, je l'ai là. J'ai une antenne qui permet de voir toutes les... tout ce qu'il y a à vendre dans toute la base. Genre là, par exemple, ça, on va le revoir, ça. Galgarad, où es-tu? Allez, go. Ok. Non, ça peut pas être Dazigi, une bestiole sort si son propriétaire meurt. Ok. Donc en gros, ça a feinte. Non, tu aurais eu un fragment. Ok, un invité peut-être. Ok. Arrête de planter du foin, t'en as déjà trop. Faut que je regarde. Alors, j'ai plus de thunes, forcément. Du TP Koé. Ça coûte horriblement cher. La graine de Gorolen, honnêtement, je sais pas trop. Les murmures. Sculpture du néant, synthèse du sérum. J'ai rien à lui vendre. C'est l'angoisse. C'est à proprement dire l'angoisse. Bien sûr, il veut pas toutes les fringues qui... C'est pas sa tasse de thé. Lance-roquette trip, non, on va éviter. J'embarque au tech. Si seulement... Le Rhin, on va devoir l'installer. Je vous ai dit, c'est Kergan. Non, ou Nerariel. Nerariel qui en a besoin du Rhin. Eh ben, c'est compliqué. Hein. On va devoir ajuster avec des bestioles.
Des chips, exactement. On aurait dû faire des statues. Ouais, mais le problème, c'est qu'on manque de main-d'œuvre, là. Je sais bien que les statues, ça rapporte de la thune. Mais on manque de main-d'œuvre. On va regarder si on peut essayer de dégager quelqu'un qui ferait de l'art avec du bois. Effectivement. Le bois, c'est une ressource qu'on a beaucoup. Ok, on est pas mal. On a quelques bouquins en plus. Donc ça, c'est bien. Alors, en termes d'art. Alors, production. Sculpture. Mais que nous sommes des artistes. La caravane de sang est à court de nourriture. Ah mais reviens gamin. Ça serait bien quand même. T'as un bouquin à moi. Au moins. Au moins un bouquin à moi quoi. Alors je suis en priorité 450 là. Je suis à quoi? 350, 400... On va se mettre en important. Ici, on va se mettre en important. Ok. Ça marche, Kargan. Ciao, ciao. Alors, moi je voudrais faire la résurrection des ghouls. Bon, ça prend un certain temps. Enlèvement par téléportation, ça, ça a l'air fun aussi, ça. Accomplissez un rituel psychique qui téléporte une personne hostile aléatoire n'importe où dans le monde et la plonge dans un coma de courte durée. Ça, ça serait cool parce que je pourrais TP n'importe qui dans le monde. Hostile. On va partir sur ça après. Machina. Je vais remonter tous tes niveaux de priorité. Et je veux que tu plantes les champs avant de faire de la construction. Juste avant. Ok, je répète. Tu plantes avant de couper des trucs. Terminer la construction. Tu te fiches de moi, quoi. Forestier, récolter, couper les plantes désignées. Planter, récolter les champs. C'est quoi que tu comprends pas dans semer la zone, par exemple? Ok, écran de recherche. Euh...
On va partir sur le multi-analyseur. Hein. L'armement bioferrite, ouais, aussi. Tourelle auto aussi, ouais, ça peut être pas mal. Ok. Alors, Quentin a découvert un nouveau morceau de chair. Diète vient de passer par là. C'est Diète qui vient de ramasser à l'instant la plante qui était ici et il est passé là. Alors, laissez-moi vous dire que l'esclave, j'ai aucun scrupule à le foutre en tôle et à lui poser les questions, à lui briser les phalanges. Alors, en vrai, ça veut rien dire. Ah, putain. Ok, ça veut rien dire. Très bien. Où sont pas en revenant? Non, il est pas encore revenu, il est là. Il est à court de nourriture. Analyse terminée. En analysant l'échantillon de chair, a enfin isolé la biosignature. La signature fait état d'une fusion entre les tissus humains et des filaments métalliques biophériques qui sillonnent la chair et prennent le contrôle du système nerveux. Vous pouvez désormais détecter nul gemme 4Z dans des sujets vivants. Allez, c'est parti. Let's go. Sofraline, tu vas être la première à y passer. Il faut que je sache si tu peux, entre guillemets, être de confiance. Et dans la foulée, ça sera the best. Ah mais doublé. Là où est-ce que je me ferais niquer, c'est si jamais les deux personnes... Donc les deux personnes qui vont faire, c'est Quentin. Quentin the best. Et Sofraline, voilà. Les trois vont faire les examens médicaux. Poser Katniss plus loin. Mais non ! Large ! Ça va bien se passer. Il y a aucune raison que ça se passe pas bien. T'inquiète pas. Souriez. Souriez, vous êtes filmé. Ok. Ah, c'est horrible ça, là, Léa. C'est absolument horrible. Ok. Pas de médecin. Comment ça, pas de médecin? Ah, en gros, il le fera pas parce qu'en gros, il n'y a personne d'autre qui peut l'opérer. Ok. Silig, tu faisais partie...
Katniss est juste à côté, hein. On notera. Ok. Alors, est-ce que c'est possible de noter la modération ? Dans le sens où je vais continuer les examens, mais je ne suis pas certain de finir ce soir au niveau des trucs. Donc, Safraline, The Best et Sea League ont été testés. Alors, ok, les tests n'ont pas été doublés, mais en même temps, il faut qu'on fasse gaffe. L'esclave. Oui, on peut faire l'esclave. Oh, super. Je pensais pas ce que ce soit désarmé. Ok. Fin premier tour de tout le monde par le même médecin. Si on trouve rien, on saura que c'est lui. Là, pour l'instant, j'ai doublé plutôt les médecins. Tous les médecins ont été doublés. Ok. 4 personnes testées. Quentin n'a pas été testé, ouais. Waouh, waouh, waouh. Alors, sur la liste des premiers coupables, il reste qui ? Il reste Machina. Je sais que ça veut rien dire, mais il reste Machina. Ça devient suspect. L'avantage, si Machina n'a rien, il y a un médecin qui ment. Non, 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 parce qu'il reste encore quelques possibilités par-ci, par-là, quoi. Ouais, ça bouffe des mètres pas, quoi. Putain, je suis dans la sauce. Oh putain, non, c'est la crise! Putain, je les ai opérés tous là! Alors, Quentin, non. Silig, non. Safraline, non. Machina, non. The Best, non. Il reste Canton, Nerariel, Kargan. Fais-moi examiner par Safraline. Ah non, parce que ça, c'est Quentin qui t'a examiné et Safraline a examiné Quentin.
Le bébé. Oh, arrêtez, arrêtez. Pas le bébé, pas le gosse, quoi. Passe tout le monde aux herbes pour économiser les médicaments. Tu peux faire les examens avec les herbes? Ça se trouve, les trois toubibs sont de mèche. Ouais, mais non, mais là, dans ces cas-là, si les trois toubibs sont de mèche, c'est horrible. C'est absolument horrible. J'espère qu'on peut faire les examens avec les herbes, parce que sinon je suis dans la sauce. C'est vrai, Galgarad, tu as raison. Attends. The Best a examiné Quentin a examiné The Best et j'ai examiné Quentin. Là, c'est perdu, ils sont tous coupables. Non, il en reste. Il reste Nerariel, il reste Kergan. Non, il reste du monde. Il reste Canton. Bingo. Bingo, bingo, bingo. Une aurore métallique fait son apparition. Cette créature cauchemardesque est en train de sortir de son hôte en tranchant sa chair et sa peau avec ses lames. L'horreur métallique émerge de Kergan, implantation avant l'arrivée dans votre colonie. L'horreur métallique de Kergan a émergé après avoir été détectée par Safraline lors d'un examen chirurgical. Ces épouvantables parasites métalliques vivent dans le corps de leur victime et prennent le contrôle de sa raison à l'aide d'un réseau de filaments métalliques qui se propagent jusqu'au cerveau. Ils manipulent ainsi l'esprit de Lot et le poussent à infecter d'autres personnes. Ok. Vise bien The Best. Ne vise ni le lit de gauche, ni le lit de droite. On ne se loupe pas, hein. On fait ça très proprement. Non, attention. Trop le dernier plomb. Oh la vache, ça va finir par le buter. Alors normalement, si je dis pas de bétises, ils sont censés tout sortir. Qu'il y en a un qui sort, tous les autres sortent. J'avais que Kergan, là. Parce que je vois ta question, Léa, là. Tu dis qu'il avait quoi comme tâche, Kergan? Ça veut dire qu'en gros, tu penses qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être contaminées dans la colonie? Non. Oui? C'est ce que j'ai vu, oui. La dernière fois, ils sont tous sortis. La dernière fois, ils sont tous sortis, mais est-ce que c'est tout le temps comme ça? Non, parce que si c'est pas le cas... Waouh, c'est chaud. Là, c'est la paranoïa. Tout le monde sort. Ok, d'accord. Allez. Ils sortent tous. Ok. Non. C'est bon, ils sont tous là. No panique. Ok, boum, c'est implosé. Safraline t'a pris extrêmement cher, par contre. Nerariel, t'as pris cher aussi. Nerariel, tu ressembles plus à rien. Tu t'es fait boxer, défoncer dans tous les sens du terme. Là. Alors, se reposer. On va repasser en médicament classique. C'est dommage, je l'aurais bien capturé quand même. Quentin, t'es out.
Erreur réel, pas de danger immédiat. Ok. Bon, ça c'est fait. Effectivement. Makina, Kergan, inanition. Ouais. Ce serait bien que quelqu'un d'autre s'en occupe là. Swamp. Hey les copains! Vous vous occupez de moi? Ouais, on va s'occuper de toi, tu vois. Dépendance aux psychoïdes. Alors, mais toi. Je pense qu'on va le faire partir. Hein. Il a amené son bouquin. C'était quoi comme bouquin qu'il avait acheté? C'était le principe des psychoïdes. Brassage du TP Koe. D'ailleurs, attends, j'en ai acheté pour lui. Hein. J'en ai pas acheté pour lui? J'en ai pas acheté deux? J'ai pas été le mec sympa? Ah, si, j'ai été le mec sympa. Ah, il vient d'en prendre en plus. Ok. Donc, votre découverte de l'horreur métallique a fourni de nouvelles informations. Vous pouvez désormais mener à bien les projets de recherche sur la noisie suivante. Sérum de Ferrosang. Ok. Cool. Alors, Silig, je vais te mettre en médecin à 5, vite fait, pour nourrir les patients. Là. Ça serait con qui claque, là, quand même. En tout cas, problème réglé. Ça marche, Weston, allez, bisous. Silic, t'es parti dormir ou bien? Non, c'est bon. Le cube doré suscite la curiosité de Nerariel. Allez, les ennuis continuent. Et vous savez quoi, les gens? On va s'arrêter là-dessus. Donc, écoutez, hein, ça aurait été la victoire ou la mort. Donc ce soir, ça aurait été plutôt la victoire. Une petite mort quand même pour Dazigi, malheureusement. Mais au moins, campagne découverte. Hein, on a vu ce que ça donnait quand on gardait un corps. Ça s'est pas bien passé pour lui. On a réglé donc d'entrée de jeu les mechas assez facilement. On a réglé le problème ici. Je finirai de traiter ça, donc tranquillement à coup d'artillerie. Donc ça, c'est plutôt cool. On a réglé le problème des chairs grises, donc petit à petit on avance. J'ai commencé à réajuster un petit peu l'équilibre de la colonie avec la perte de Dazigi. J'ai vu que j'avais une légère déséquilibre en termes de recherche et tout ça. Là, on a réparti un petit peu mieux les tâches, donc on encaissera mieux les chocs si jamais il nous arrive encore des bricoles. Donc voilà, on se retrouve donc dimanche soir pour la suite des aventures. Merci beaucoup de votre présence, de votre fidélité, des follow, des subs, des resubs, des subs gifts. Merci des bits, merci énormément de votre soutien. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et on se voit donc dimanche soir. Bye bye les gens.